Good afternoon. My name is Ryan. I'm here to represent China National Food Industry Association. I'm actually more from the nutrition side of the organization. So one little thing wrong with my slides. So I'll be talking about give a very quick and a very brief overview of how Chinese and the changing attitude to dietary on China's plate. Chinese and how the traditional beliefs and modern aspirations are actually affecting how Chinese will be eating in 5 or 10 years out. Introduce my organization first. Our organization actually provides innovation consulting, not only to policymakers, also corporate food corporations, and also startups in China. And I'm also the co-founder of the actually first plant-based food sector organization trade groups. It's called the PBFA. We're actually promoting the plant-based food in China, both on policy side and science side. Well, let's get into the topic. Today, our forum is called Alternative Forum. So let's talk about what's wrong with our food industry, actually. Our food industry have so many problems. I'll touch on these very briefly. The first thing first, actually, is our Earth. Our Earth is going to be supporting 10 billion people in the next few decades. So, but our obsession with meat actually created this industry, agriculture, not only hurting the animals, but also actually decreasing the quality of the food we're eating. Also hurting our planet. So we'll take a look at it. This is all of the actual downsides from what we're doing right now. So what's the alternatives? We're from the Europe and North American market. We see the meat and dairy alternatives, especially plant-based, actually skyrocketing this market. But I'll be focusing on China's Chinese market. This actually in China, meat and dairy alternatives is a pretty actually familiar things. Products such as tofu, mock meat, and we also have soy milk for alternatives. So we have this really strong established eating culture. From the picture here, they call it su cai, which means plant-based dish, and hun cai, which is a meat dish. It's actually considered as all the basic elements of any meal. So instead of a substitute for each other, they're actually complementary. So it's every dish we have some plant dish, and with a meat dish. So animal protein and plant-based protein were actually kind of a half-half intake. And as a Chinese consumer, they actually, they think all kind of food have this downside and also has a positive side. And not all protein sources are created equally. As from here, Chinese consumers, they actually understand a variety of positive things plant-based protein bring them. Well, here's fruit and vegetables, they're good. And the beans, legumes, we're actually eating them for 1,000 years. But in terms of meat protein, we have Chinese actually, they are the biggest consumers of pork in the world, in the whole world. But during the past couple of years, we see this is decreasing. But instead of that, I mean, beef is what they think is better. Widely considered is a better quality. So the Chinese consumer actually trading up. They think the beef is a better quality, better. When they're eating out, they order beef instead of pork. A little different from North American and Europe market, fish and seafood, and also talking about dairy products, their animal proteins. But in China, they normally associate with this with a better digestion, better immune system, or nutrition balance, and also physical beauties. So these, you from the on the left,
we can tell that this market is actually increasing. So I think for all of us in this room is really lucky enough to have our basic needs taken care of. But when it comes to the food, we don't actually want something to fill us up in the short term. We're actually looking for more. We want something better. Same thing happened to China. With the increasing wealth in China, Chinese consumers are actually trading up their options. They want higher quality. They want better integrity options. So when they looking for a product, they look for something called what I call health credentials. They boast positive and negative health credentials. They're associated with when they're choosing the product, they're actually looking at from the top left. You can tell at least I have listed some negative and positive credentials. For instance, if something on the label says, well, they have a salt, sugar, and fat additives, they usually associate with a negative credential. So people are actually avoiding these. And now what's popular is a plant-based, natural ingredients, and some source of vitamins, source of protein or fiber. These are the popular trends. So people are actually buying, they prefer with these ingredients, those food. And lastly, I want to talk about this Chinese food guide, Pagoda. Well, Chinese government actually is planning to reducing this meat consumption. They're trying to reduce this in half by 2030s. So this Pagoda we're looking at is actually came up in 2016. We revised our healthy eating guideline. So we came up with this to help Chinese, the people to have this better healthy lifestyle and avoid disease. Well, it's pretty similar from the one we have in France and pretty similar to the one in the States. It actually have five levels. So each level representing the recommended proportion of different food groups in our diet. So at the bottom, we can tell that they encourage people to eat a variety of food, like cereals, all that, and reduce their meat consumption. On top of that, it's they recommend to reduce their oil, salt, sugar, and also limit the alcohol intake. So basically, that made up the whole healthy eating guideline in China. That's pretty much, I'll wrap it up, pretty much that's about it. And then we go through a lot very quickly. So if you guys have questions, maybe we can talk in more in depth later on. Thank you. Bonjour, donc Guillaume Urtray de la société Auchan Retail France. Je vais vous présenter donc aujourd'hui notre politique santé, qui va bien au-delà d'une politique santé d'ailleurs, j'y reviendrai, le programme La Vie en Bleu. Je vous expliquerai aussi notre démarche de réduction de sel, sucre, gras dans les produits que nous faisons à notre marque. Et puis je vous parlerai en quelques mots à la fin d'un programme de transparence sur les éléments nutritionnels simplifiés sur lequel Auchan a été un pionnier, le Nutri-Score. Quelques mots d'Auchan, donc Auchan, société à implantation internationale. Dans 16 pays, nous réalisons un chiffre d'affaires de 52 milliards d'euros sur l'année 2017. J'interviens personnellement sur la qualité des produits à marque Auchan dans l'entité française Auchan Production France, qui est une entité de 80 personnes, composée essentiellement d'ingénieurs qualité, de chefs de produits et de responsables packaging. Alors, l'intervention, je l'ai découpée en 4 points. Le premier, un point de contexte pour vous rappeler ce qu'est La Vie en Bleu à Auchan, notre programme santé La Vie en Bleu. Je ferai un petit focus sur les réductions de sel, sucre et gras. Le lien entre les optimisations nutritionnelles et le goût, puisque c'est quelque chose qui est essentiel pour nous et pour les consommateurs, ça reste quand même la priorité. Et puis, comme je vous le disais à l'instant, un point sur le Nutri-Score.
Donc la vie en bleu, c'est un engagement très fort qui a été pris par Auchan en 2017. Alors c'est un programme santé, pour la santé, vous le verrez, des consommateurs, mais aussi des collaborateurs, un programme à 360 degrés qui a une vision vraiment très large. L'idée de ce programme santé, c'est pas seulement de vivre longtemps, mais surtout de vivre longtemps en bonne santé et d'accompagner chacun sur ce point-là. C'est un programme mondial donc, qui est développé dans l'ensemble des pays Auchan. Alors, trois axes principaux de ce programme. Un axe à destination des employés, c'est ce qui fait la particularité de ce programme qui est une exclusivité d'Auchan. Nous nous adressons aux clients pour parler de leur santé, mais aussi à nos employés, à nos collaborateurs, et nous les intégrons directement dans la démarche. Les clients, donc on vient d'en parler, et puis aussi, c'est une démarche qui s'insère au sens plus large dans la société. Pour les collaborateurs d'Auchan, nous avons mis en place un dispositif dans l'ensemble des pays Auchan. Le premier, c'est la mise en place de quiz autour de la santé, autour de la bonne alimentation, de l'activité physique, pour permettre à chacun de s'approprier sa santé et tout ce qui est bon pour la santé de chacun. Ça permet à nos collaborateurs d'être effectivement en meilleure santé et aussi de contribuer par là même à la meilleure prise en charge de nos clients et de nos consommateurs. Alors il y a des actions qui sont mises en place dans tous les pays d'Auchan, des choses qui peuvent paraître communes en France, qui ne sont pas forcément ailleurs, comme un bilan de santé qui est proposé aux collaborateurs. Sur la France, par exemple, on met à disposition, alors de l'eau, ça fait longtemps, mais des fruits dans les salles de pause. On sait que ça fait partie des choses à optimiser, la consommation de fruits. Et bien, typiquement, on met à disposition des fruits des employés. Donc tous les mois, on tourne, on change, ce qui permet justement un meilleur accès aux fruits et puis prendre des habitudes qui sont bonnes. Et on propose également à nos employés des mutuelles de santé, là où ce n'est pas forcément obligatoire et en allant au-delà de nos obligations légales. Alors pour le client et pour nos collaborateurs qui sont aussi nos clients, un des points phares de la vie en bleu, c'est la sélection bleue, qui est mise en place en magasin. Alors cette sélection bleue, l'idée de la sélection bleue, c'est de proposer dans chaque catégorie une sélection des produits qui sont les plus sains, les meilleurs pour la santé. Donc comment se déroule cette sélection bleue ? Pour chacun des produits, en fait, on l'évalue sur son profil nutritionnel et on fait le ratio des mauvais nutriments sur les bons nutriments. Donc, globalement, dans notre calcul, on prend en compte les protéines, les fibres, le sel, le sucre, les acides gras saturés. Et un algorithme derrière vient nous calculer un score par produit et le meilleur produit de la catégorie est élu dans notre sélection bleue. Alors, deuxième filtre de cette sélection bleue, c'est une blacklist. Donc, on a une liste de substances indésirables. J'y reviendrai plus tard dans la présentation, qui nous permet de passer au filtre toutes les listes d'ingrédients. Et donc, dès qu'un produit contient une substance qui est indésirable dans nos formules, le produit est écarté de la sélection bleue. On a des catégories qui sont hors scope, les confiseries, les alcools, et des catégories qui sont naturellement sélection bleue. On voit les yaourts nature, là, par exemple, sur la photo. Les fruits et légumes sont tous dans la sélection bleue. Cette sélection bleue, donc, vous voyez sur les balisages prix, donc, on a le repère de la sélection bleue, et en même temps, des stop rayons, des 18x18, qui permettent de signaler les produits élus. Alors en magasin, nous avons également des communications autour de bonnes pratiques alimentaires. Deux exemples ici sur la consommation de fruits et légumes de saison et un deuxième conseil sur les viandes, varier les viandes avec des repères de portions. Donc c'est des communications très simples que tout le monde peut comprendre, qui sont présentes en magasin, dans nos catalogues et sur nos sites internet. D'autres exemples de ce type de communication, prenez de la graine, donc c'est pour inciter effectivement
à consommer des graines. À côté, on a un pavé sur les féculents, un pavé sur les produits laitiers. Donc toutes ces communications qui se retrouvent, comme je vous le disais, dans les points de vente, sur les sites internet, sur nos catalogues. Nous avons également souhaité sortir de nos canaux classiques et nous sponsorisons à la télévision un programme court, bien évidemment, qui est animé par Michel Simès. Donc pour les personnes qui ne le connaissent pas, donc c'est effectivement quelqu'un qui est référent pour les téléspectateurs sur le domaine de la santé. C'est un programme qui va, de façon très très courte, donner des bons conseils au quotidien pour la santé des téléspectateurs. C'est des choses comme reprendre une activité physique, manger plus de légumineuses, prendre soin de son air intérieur. On a eu également un programme court sur le sommeil, donc quelque chose de très complet. Et là, pour le coup, à destination de tous. Donc c'est une vraie volonté de toucher le plus de monde possible. Nous avons également développé une application à destination des clients. J'en dirai juste deux mots. Dans le cadre d'un partenariat avec Allergobox, nous permettons aux clients qui sont allergiques d'identifier facilement les produits qu'ils doivent éviter, donc en rentrant les allergènes qu'ils doivent éviter. On leur propose des sélections de produits qui sont compatibles avec leur allergie. Et puis, on est en train de développer un bilan des parcours de course, donc sur la base, effectivement, du volontariat et de la sollicitation du client, de pouvoir analyser avec les clients leur parcours de course, leur consommation en fruits et légumes, par exemple, leur donner des repères sur leur consommation. Alors, c'est un programme, je vous le disais, qui se veut ouvert sur la société. Nous avons noué des partenariats, par exemple, avec des événements sportifs. Donc dernièrement, cette année, nous avons été partenaires de la Route du Louvre, qui est un marathon avec diverses courses organisées lors de cet événement. Nous avons fourni le ravitaillement, des fruits secs, des fruits, des sandwichs, des barres de céréales. L'idée, c'est de vraiment promouvoir la santé en dehors, je vous le disais tout à l'heure, de nos canaux de distribution et d'aller vraiment à la rencontre de tout le monde. Nous avons également mobilisé les fondations d'Auchan. Les fondations d'Auchan pour la jeunesse ont été mises à contribution également pour n'oublier personne dans le cadre de ce programme. Et à destination de la jeunesse fragilisée, nous proposons des ateliers et des événements en lien avec l'alimentation et la santé. Alors ce programme s'appuie sur un comité scientifique. Donc là, je vous l'ai mis en photo avec notre partenaire Atlantique Santé. Ce comité scientifique donc valide les options qui sont prises dans le cadre de nos politiques. Et il est composé donc de personnes internes. Donc on a les ressources humaines qui sont partie prenante, la qualité, également le RSE. Mais nous avons également et surtout un comité d'experts scientifiques reconnus, une sociologue, nutritionniste, toxicologue, pédiatre, cancérologue et allergologue. Donc tout ce jury nous permet d'être quelque part à jour dans tout ce qui se passe, l'analyse des risques et puis les préconisations qu'on peut faire dans le cadre de nos politiques. Donc voilà pour ce qui est de la vie en bleu, donc un programme de 2017. Mais nous allons le voir rapidement. Donc sur le deuxième point, la réduction du sel, du sucre et du gras, l'engagement d'Auchan sur ce point, c'est un engagement historique. Les premières réductions qui ont été lancées sur nos produits à marque Auchan remontent à 2005. Et nous avons retravaillé près de 600 recettes. Alors, ça s'est fait dans le cadre, effectivement, du PNNS. Et toutes ces recettes donc, ont été retravaillées et on a été pionniers sur le sujet. Alors, à chaque fois, une ambition très forte, puisque les réductions en sel, en sucre, en gras, sur chacune des recettes, nous visions des réductions de 10 à 30% des éléments concernés. Avec des difficultés,
Donc, on s'est heurté à des difficultés techniques, technologiques parfois, des réductions qui affectent le goût. Pour prendre deux exemples, en 2005, sur tout ce qui était crèmerie, dessert, yaourt, aux fruits par exemple, on était sur des profils très sucrés, très confits, des profils aromatiques qui s'approchaient plus des bonbons. Et donc réduire de 30% le sucre sur des yaourts ou des produits de ce type, c'était clairement impossible. Les produits étaient systématiquement rejetés par les consommateurs. Donc recette arrêtée, ce n'était pas la peine de le faire. On a donc dû revoir en profondeur toute l'aromatisation des recettes et du coup partir sur des choses qui étaient beaucoup plus naturelles. Donc on est parti de notes confites pour arriver à des choses beaucoup plus naturelles, des notes de fruits frais, qui du coup s'accommodaient beaucoup mieux avec la réduction de sucre. Donc voilà, des changements en profondeur et pas forcément simples. On s'est heurté à des problèmes technologiques. Réduire le sel, par exemple, sur des fromages qui ont une flore de surface, ce n'est pas forcément évident parce que le moindre changement sur le taux de sel affecte forcément les étapes de fabrication. Et donc, on a dû avoir une approche beaucoup plus progressive et concertée avec nos partenaires sur les MDD pour réussir progressivement à diminuer le sel, dans cet exemple, sur les fromages. Alors, je vous l'ai dit, je ne sais plus si j'en ai parlé en introduction, mais donc Auchan Production travaille sur 6000 recettes, ce qui veut dire qu'il y a quasiment 10% des recettes qui ont été revues. Je ne compte pas du coup tout ce qui est farine, pâte, qui tout simplement n'interviennent pas dans ce retravail. Donc on est bien au-delà des 10% qui ont été retravaillés. Dernière précision, on n'a pas joué la facilité non plus sur le sucre, puisqu'on s'est refusé, dans le cadre de nos réductions, à remplacer le sucre par les édulcorants. Alors sur les premières années, ça a été très significatif. Donc vous voyez qu'à partir de 2005, à partir de 2005, on l'a exprimé en tonnage annuel. Donc ça, c'est ce qu'on a retiré de nos recettes tous les ans. Donc ça représente quand même 750 tonnes de gras, 168 tonnes de sel et près de 1000 tonnes de sucre. Donc ce qui est considérable. Alors, cette réduction, donc ce travail historique, est venu s'enrichir au fil des années d'autres interdits, entre guillemets, puisque nous évoluons tous et la société évolue. Nous avons travaillé en 2017, dans le cadre du projet santé que je vous ai présenté en première partie, sur une blacklist, donc une liste de substances qui sont interdites dans nos recettes. Donc on diminue le sel, le sucre, le gras, et on retire donc des substances qui sont soit tout simplement interdites, donc c'est la case noire prohibited, des substances qui sont à supprimer, des substances à éviter, des substances en surveillance. Donc les substances qui sont interdites chez nous, je peux vous en citer quelques-unes, les colorants azoïques, les matières grasses végétales hydrogénées. On n'a plus aujourd'hui de produits avec matières grasses hydrogénées à Marcochamps. Pas d'OGM, pas d'ingrédients nano, pas d'édulcorants pour les enfants. Donc des choses qui sont quand même très impactantes sur les produits, qui peuvent nous limiter, mais en tout cas qu'on s'interdit. Nous travaillons donc dans le cadre du recharting de notre marque et de la nouvelle plateforme de marque Auchan à supprimer tous les caramels, sauf le caramel ordinaire, et les glutamates par exemple, qui sont pourtant des agents qui sont pratiques pour donner du goût aux recettes. Aujourd'hui, nous nous interdisons de travailler avec les glutamates. Donc globalement, ça veut dire que moins de sucre, moins de sel, moins de gras, ce qu'on a vu juste avant, tous ces exhausteurs de goût qu'on retire des produits, on arrive vraiment sur des produits qui sont de plus en plus naturels et sur lesquels on est obligé de mieux gérer quelque part, et c'est tant mieux, l'origine de nos matières premières et la qualité de nos matières premières. Alors, exemple de travaux que nous sommes en train de conduire. Donc, quand je vous parlais de recharting, vous voyez le produit Auchan avant-après. Donc, il y a eu un changement de charte qui est en cours chez nous, mais qui va bien au-delà d'un changement de charte. C'est-à-dire qu'on a retravaillé également la recette du produit que je prends en exemple pour limiter la liste des ingrédients. Et donc, je vous montre rapidement. Pas la peine de traduire, je pense que c'est visuel pour tout le monde. Voilà la recette, c'est une purée de brocoli
ce qu'on pouvait avoir avant dans la purée de brocoli et ce qu'on a désormais dans la purée de brocoli. Bon, ça a l'air simple sur le papier comme ça en le présentant. C'est un chantier qui est très complexe. Mais en tout cas, voilà, ça prouve qu'on y arrive, on est capable de le faire. Et toutes nos équipes d'ingénieurs, en tout cas, sont mobilisées sur ce sujet pour produire ce type de produit. Donc voilà, pour nous situer dans l'intervention, on vient de parler de la réduction de sel, de sucre et de gras, qui est un long engagement, qui va bien au-delà d'ailleurs de la réduction du sel, du sucre et du gras. Je vous parlais tout à l'heure du goût. Ça reste quand même le critère numéro un du consommateur. Si demain j'ai une recette qui est hyper optimisée mais qui n'est pas bonne, personne ne l'achètera et en gros cette recette est vouée à l'échec, elle mourra et elle sera de toute façon remplacée par un produit qui ne sera pas forcément mieux. Donc on n'a rien gagné. Ça veut dire que systématiquement, dans nos développements, on fait systématiquement un panel. Donc je ne sais pas si tout le monde est coutumier du panel. Chaque recette que sort Auchan est testée par rapport à une marque nationale leader sur le marché par un jury de 60 consommateurs. Si le produit est jugé significativement différent, dans ce cas-là, on ne sort pas le produit. Donc ça veut dire qu'on s'oblige à chaque fois qu'on retravaille une recette en enlevant du sucre, en enlevant du sel, en enlevant du gras, en enlevant toutes nos molécules interdites, on s'oblige à garder le goût d'une grande marque ou d'un produit standard. Ce qui fait que les consommateurs qui consommeront ces produits auront le bénéfice pour la santé, certes, mais conserveront le plaisir à consommer. Donc des panels pour info, hein, c'est quelque chose qui est quand même routinier et qu'on fait beaucoup chez nous. L'année dernière, on en a réalisé plus de 4000 en routine, ce qui représente, hein, si vous faites le calcul, clairement 240 000 dégustateurs de produits au champ sur l'année. Je l'ai développé précédemment, donc je ne vais pas y revenir, mais effectivement, cette démarche, elle est très vertueuse, puisqu'elle nous oblige à mieux sélectionner nos matières premières et surtout à avoir des profils aromatiques sur des produits qui se rapprochent de la réalité de ce que sont les ingrédients. C'est-à-dire que quand on met du glutamate dans un produit, on finit par ne plus savoir quel goût a le produit. Il a le goût du glutamate, il a le goût de l'exhausteur de goût. Donc on revient à des choses beaucoup plus naturelles, et tant mieux. Alors, dernier point que j'aborderai avec vous aujourd'hui, le Nutri-Score. Donc pourquoi j'en parle ? Parce qu'il est lié directement aux réductions de sel, sucre, gras. Le Nutri-Score, il est basé effectivement sur le profil nutritionnel du produit et sur sa teneur en fruits et légumes. Et donc, dans un souci de transparence, c'est quelque chose de courageux parce qu'on n'est pas bon partout et on n'a pas peur de le dire. En tout cas, on cherche à progresser. Nous avons mis en place, avec le ministère de la Santé, le Nutri-Score. Donc, le Nutri-Score, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, c'est un système d'étiquetage nutritionnel simplifié qui vient classer les produits sur une échelle à 5 niveaux. Donc de A, vert, à E, rouge, pour les moins bons produits d'un point de vue nutritionnel, et qui donc permet au consommateur de réaliser son choix dans le rayon. Bon, à ceci près que tout le monde ne l'applique pas, donc effectivement, un peu compliqué de comparer quand tout le monde ne joue pas le jeu. En tout cas, Auchan a eu le courage de le faire, et dès 2017, on s'est engagé à le mettre en place sur notre site internet. Ce que nous avons fait dès décembre 2017, et nous avons été le premier distributeur français à indiquer le Nutri-Score sur l'ensemble des produits Auchan sur notre site internet. Que le Nutri-Score nous soit favorable ou non. Je vous parlais pendant la présentation du recharting Auchan, donc voilà les produits avec leur nouveau look, et on s'est engagé de la même façon à ce qu'en rayon et sur les produits, nous ayons systématiquement le Nutri-Score sur les emballages des produits à marque Auchan. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation. Donc, pour repartir du début, donc, vous avez compris que la santé, c'est un programme global pour Auchan, que c'est un engagement de longue date et qu'on n'a pas inventé hier.
que nous gardons, et ça c'est essentiel, le plaisir de manger, parce que c'est quand même d'abord aussi pour ça qu'on mange, il faut savoir se faire plaisir, et que nous avons un souci de transparence sur nos produits, et que le Nutri-Score en est une des meilleures illustrations. Voilà, je vous remercie.